Salut tout le monde, c'est Flo de la chaîne Café Gaming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel qui est vraiment gratos et ça va peut-être vraiment vous aider et même vous économiser de payer un compte japonais bien sûr. Économiser un abonnement japonais plutôt dire. Donc je vais vous parler peut-être de la Famicom et de la Super Famicom. Mais bon, pour la Famicom j'aurai un peu du mal à chercher parce que avec les écritures kanji que j'ai vraiment un peu du mal. Donc je vais vous montrer comment mettre le Switch Online, le Super Famicom Nintendo Switch Online. Donc il vous suffit déjà de vous créer un compte japonais. Donc moi c'est mon deuxième compte, voilà, Omura 1996, mon compte japonais. Il vous suffit d'aller sur votre eShop. Donc moi mon eShop, voilà, ça c'est mon français, donc Yoshi, mon compte principal français, que j'ai mon Nintendo Switch Online dessus. Et j'ai mon deuxième compte, Omura 1996, qui est mon compte japonais. Donc on va aller sur le eShop japonais. Voilà, ça se charge, voilà, nickel. Et donc, je vais vous montrer que je n'ai pas d'abonnement online sur mon compte japonais. Voilà, il précise, voilà, bon, c'est mon argent, etc. Voilà, le Switch Online, voilà, il précise qu'il n'y a rien dedans. Donc si je clique, si j'appuie dessus, voilà, ils vont me demander de mettre un abonnement, voilà. Hein, je crois que je sais pas c'est quoi ça. Ouais, ça c'est... Ouais, voilà. Bon, après c'est les catalogues, ça c'est... Voilà. Je sais pas si j'ai eu la Nintendo. Non, je n'ai pas la Nintendo. Parce que je voulais chercher la Nintendo, mais... Nintendo Switch Online... Ah, il y a la Famicom. Ok, j'ai cliqué dedans. Voilà, là vous voyez ce que je mets là. Donc, je vais peut-être essayer aussi d'installer un Famicom. Vous trouvez, voilà, hop, je les installe, voilà. Donc vous voyez, hein, vous voyez tout ça en même temps. Je sais pas combien de temps ça va me mettre. S'il me propose bien 4 minutes, ça va. Ah, ça va, 4 minutes. 4 minutes, c'est rapide. Donc, je disais, oui, alors on va re-aller sur le Nintendo... le Nintendo eShop. Donc pour vous montrer, hein, je n'ai pas d'abonnement. Vous l'avez vu, je n'ai pas d'abonnement. C'est gratuit. Hein. Ce que je vous montre, c'est gratuit. Mais il faut que vous ayez un abonnement Switch Online français. Que ce soit peu importe chez vous. Que vous soyez belge, que vous soyez suisse, que vous soyez luxembourgeois, canadien, pour nos amis Québec aussi, bien sûr. Voilà, donc canadien, Québec. Voilà. Je vous montre cette astuce, voilà, même mondialement, voilà, vous allez dans le truc, donc vous allez dans Nintendo Switch Online, vous allez en dessous, donc Nintendo Switch Online, c'est, je crois que c'est la sélection des jeux, je crois des jeux Switch Online, voilà, donc vous allez dedans, là où il y a les manettes Famicom, et vous avez le droit au Super Famicom et au Family Computer, donc j'ai téléchargé Family Computer pour vous montrer à vous, mais je mettrai l'astuce peut-être pour les deux, mais c'était au départ c'était pour la Super Famicom. Et donc, vous cliquez dessus, voilà, comme je vous l'ai fait, là vous l'avez vite fait au plus vite pour la Famicom. À un moment donné, vous téléchargez, etc. Et vous allez au menu principal et vous avez le jeu en question qui s'installe. Donc, on va commencer 3 minutes, 1 minute. Bon, on va faire la Super Famicom. Je vous montrer l'exemple vite fait pour la version japonaise en connectant avec le compte japonais. Voilà, hop, il vérifie le compte, voilà. Veuillez patienter. Il me demande un abonnement online. Donc qu'est-ce que je fais? Là vous dites dans la tête je dois payer un abonnement. Non, 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 vous ne payez pas un abonnement. Vous jouez avec votre compte principal. Principal. Donc votre compte européen, j'ai européen, voilà, pour nous, voilà. Américain, surtout aussi pour les amis canadiens et de Québec, voilà, les Québécois. Vous jouez avec votre compte principal. Moi je joue mon compte principal, donc Fluoshi54, voilà. Hop, j'appuie dessus. Magique. Magique. Voilà, je peux jouer à la Super Famicom grâce à mon compte japonais, gratuitement, sans payer un abonnement compte japonais. Et donc, là, j'ai le droit à la listing avec les box japonais de la Super Famicom. Super Famicom Soccer, qui est Super Soccer pour chez nous. Et, petite anecdote, au Japon, ils n'ont pas le Super Tennis. Ils ont Super Family, Smash Family Tennis, je crois que ça s'appelle. Hop, voilà, le logiciel terminé, voilà, téléchargé, pour Famicom. Petite partie, voilà, vite fait, allez start, exhibition. Moi, je vous fasse en test ce jeu-là. Hop, un contrôle de com,
Donc les filles, c'est Kanji jaune. Rouge, pardon. Pourquoi je dis jaune? Les rouges un peu orangés. Je sais pas qui je vais prendre. Allez hop, elle, par exemple. Je sais pas. Franchement, c'est une licence vraiment géniale ce jeu de tennis. Voilà, Super Family Tennis, j'ai vu. L'écriture. Je crois que c'est ça, Super Family Tennis. Ouais, voilà, Super Family Tennis. Prêt! Hop, voilà. Je joue avec le joystick parce que j'ai pas de manette Super Nintendo. J'aimerais bien en avoir une. Hop. Voilà. On a le même truc, hein. On a les mêmes trucs qu'on a chez nous, donc le rewind, etc. Bien sûr. Hop, hop, hop. Là vous êtes, comme je vous le dis, très content. On peut jouer à deux même aussi. Hein. On peut jouer à deux. Hop, je suis pas sauvegardiste. Ça sert à rien. Voilà, il y a tous les jeux, la plupart qu'on a. Par exemple celui-là, comment il s'appelle? Ah, j'ai plus le nom. Le Kirby, Breath of Fire, Pilot Wings. Pas une Twinks qu'avec les kanji japonais, bien sûr, parce que c'est la version japonaise. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Je sais plus, il y avait un menu. Je sais plus. Tu pouvais mettre par ordre. Par ordre, voilà, etc. Bon, voilà, ça c'est bon. On va essayer la Famicom, voilà, bien sûr, la Famicom. Enfin, le même principe. Bon, je vais jouer avec mon compte japonais. Tu dis, ouais, c'est un truc japonais, je vais jouer avec mon compte japonais. Mais il est pas santé, comme d'hab. Voilà. Il demande de jouer online. Donc, il dit, ouais, il faut que tu payes l'online. Ah non, je me couvre avec mon compte français. Je vais essayer de voir. Ça marche. Voilà. Avec mon compte français, ça marche, voilà. Donc si t'as pas de Switch Online, bah tu ne pourras pas jouer. Voilà. Et là, hop, je peux jouer au jeu. Oh, il y a Gradius. Celui-là, il est pas super chinoise. Ah, le volleyball. Ça, on l'a pas. City Collection, je crois qu'il est aussi sur la version européenne. Le Zelda. Prendre un jeu au pif. Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? On va prendre quoi comme jeu? Peut-être prendre le Mario 2. Le Mario 2, le vrai Mario 2. Le Mario le plus rageant de l'histoire. Hop. Ouais, je joue avec le vrai Mario 2. Ça, je crois que c'est l'heure. Alors, ah non, c'est celui-là, ok. Ah merde! Je suis gouré. Ouais, voilà, bref. Bref, voilà, je suis mort comme un ouf, voilà. Je vais pas tester celui-là, le volleyball. Ouais, voilà. Voilà, on va essayer, le versus Exit Bike. Avec le now loading, bien sûr, c'est la Family Disk System. Donc voilà, voilà, vous pouvez jouer, voilà, vous pouvez jouer à vos comptes, avec votre compte, voilà, votre compte principal avec le Switch Online, au jeu japonais, je crois même, je peux le dire même aussi américain, vous pouvez jouer aussi, donc bon après il n'y a rien de différence, je vous le dis normalement, il n'y a aucune différence entre le PAL et l'US, c'est les mêmes boîtes, hein. Ouais, je vais vous prendre l'exemple, voilà, hop, c'est parti. Je vais jouer avec mon compte principal. Là, on va sur Super Nintendo.
comme on en a parlé au live, je sais pas si vous vous en rappelez, au live, comme j'avais dit avec Emago, les jaquettes, c'est des jaquettes américaines. Faut pas chercher, les jaquettes sont les jaquettes américaines, voilà. Donc, si vous avez bien compris, les jaquettes, c'est les jaquettes américaines. Pour moi, la super Nintendo. C'est les jaquettes américaines, donc voilà. Voilà. Donc, sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo tutoriel vous a appris quelque chose. Donc, la Super Famicom, jouez-y avec votre compte PAL. PAL. Européenne, voilà, pourquoi je dis PAL. Votre compte européen, avec Switch Online, bien sûr, parce que si vous n'avez pas de Switch Online, vous ne pouvez pas jouer à. Ces jeux classiques de la Super Nintendo, bien sûr. Donc voilà. Moi, franchement, je vous le dis, c'est une astuce vraiment géniale. Et je tâche de partager à des amis. Tout le monde, hein, même. Tout le monde, à des amis. Voilà. Ceux qui veulent jouer à la Super Famicom, franchement, je vous conseille. Vous téléchargez la Super Famicom sur votre Switch Online. De eShop, bien sûr, le eShop. Votre eShop japonais. Et vous mettez ça dans votre machine, voilà, dans votre console, et vous pouvez jouer au jeu Super Famicom et Famicom en ligne. C'est vraiment génial. Vous pourrez jouer à vos jeux avec avec vos amis, etc. C'est un truc de fou. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Si c'est le cas, mettez un like, un mettez un commentaire surtout. Mettez un commentaire si cette tutoriel vous a vraiment plu et ça, si ça vous a vraiment servi quelque chose. Et pourquoi pas vous faire une peut-être d'autres tutoriels sur prochainement, je sais pas, sur la Switch. Je sais pas, il y a peut-être des trucs qui pourraient être intéressants sur Switch. Je ne sais pas du tout, mais bon. J'aurais aimé voir comment comment mettre une manette d'autres consoles, mais bon, ça ne marche pas, j'ai essayé. Mais bon, voilà quoi. Donc j'espère cette vidéo, franchement, cette vidéo tutoriel pour avoir la Nintendo. Super Famicom sur votre Switch avec 100 abonnements japonais, bien sûr, vous a servi quelque chose. Et j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez pas à commenter et dire votre réaction, si ça a fonctionné nickel ou non. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Café Gaming. Ciao, c'était Flo. Café Gaming. Ici, on ne sert pas que du café, on parle jeux vidéo.